Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les achats que j'ai fait à la bourse des crocos à Passy, donc organisée par l'association L'œil du croco. J'y suis resté les 2 jours et du coup j'ai beaucoup filmé. Il y aura une vidéo qui va arriver dans la semaine et d'autres qui vont arriver, enfin qui vont suivre. Donc la vidéo de la bourse ce sera en même temps un vlog, donc je vous en passe ça cette semaine. Donc on va commencer avec des os de sèche que j'ai acheté pour une espèce bien précise que je vous montrerai en dernier. Donc je commence par les trucs les moins intéressants, on s'en fout. Donc je l'ai eu chez Speed Reptile. Après, ah ouais, ça c'est des petits trucs test pour les tortues, la nourriture, les vitamines aussi. Là il y a un truc que je sais pas à quoi il sert. Un truc de conditionneur d'eau. Après ça on s'en fout. Ah non il est trop bien, je vais la foutre quelque part. Après j'ai acheté quelque chose dont j'avais vraiment besoin pour mes reproductions de cette année, donc pour mettre sur mon incubateur. C'est un hygromètre et un thermomètre, donc qui viennent de chez Speed Reptile. N'hésitez pas à aller voir leur site internet. Après j'ai acheté donc 200 blattes chez Reptile Box pour mon petit gecko pour qu'il bouffe, qu'il y en a des masses. Là on a des criquets, mais c'est pas les criquets qu'on voit d'habitude, genre ceux là ils sont masse colorés, ils sont vraiment colorés, ils sont vraiment trop beaux. Je sais pas si vous allez voir la différence, parce que là j'ai pas d'autres criquets à vous montrer, mais ceux-là sont vraiment colorés par rapport aux autres. Et là j'ai quelque chose de plus intéressant, c'est donc l'espèce que j'ai prise que j'avais envie de prendre. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ce sont des escargots, donc des acatina. Donc je crois pas que ce soit des fulica. Je vais vous montrer le gros. Il est blanc, donc blanc je crois que c'est parce qu'il est albinos, mais il a la coquille noire, donc je sais pas trop, je m'y connais pas trop. Je me lance, c'est intéressant, ça a pas l'air dur, le maintien de cette espèce là a pas l'air dur, donc le gros il apparaît bleu avec la lumière de la caméra. Et donc là j'en ai une autre. Ok, vraiment celle-là, albinos, qui est toute blanche. Je vous mettrai le nom, la dame me les a écrits, et je vous dirai où je les ai achetés parce que je me rappelle plus du nom. Donc ils sont vraiment cool comme bestioles, et les gens qui me les ont vendus sont vraiment cool aussi. Donc voilà, je vais enfermer, je vais les mettre dans mon 60-40. Et genre, je vous montrerai comment on fait donc dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la vidéo de la bourse arrivera cette semaine. Et j'espère qu'elle vous plaira aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !